Bonjour, je m'appelle Mathilde Florence, je suis illustratrice, graphiste et autrice de BD. J'habite à Paris et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, sous le pseudo L'Illustrée. Et je poste tous les jours parce que je me suis fixée comme objectif il y a quelques années de dessiner chaque jour, histoire d'avoir une discipline dans le dessin. Quel a été l'élément déclencheur de ma bande dessinée? En fait, j'étais en troisième année de design graphique chez ECV Paris. Et à ce moment-là, on devait faire un projet personnel sur plusieurs mois. Donc, on était totalement libre dans notre choix. Et étant déjà très axée illustration et aimant beaucoup raconter des histoires, j'ai choisi de faire une bande dessinée. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et je lis moi-même beaucoup de bandes dessinées, donc je me suis dit bah c'est le moment. Et j'ai été accompagnée par mon prof d'illustration, Sébastien Touache, qui a été vraiment de très bons conseils. Donc j'ai pu travailler sur ce projet toute cette fin d'année. Et d'ailleurs je peux vous montrer la version originelle de la bande dessinée, donc qui est bien plus pauvre en illustration que celle de maintenant, mais quand même elle a été un bon socle pour la suite. Qu'est-ce qui m'en a donné l'idée? Tout simplement, ça faisait plusieurs années que j'utilisais Appen et j'avais déjà amassé pas mal d'histoires, de dates. Pas forcément qu'il se passait mal, mais comme j'aime beaucoup raconter les choses avec humour, je me suis dit bah ce serait marrant de prendre ça sous l'angle des dates foireux, toujours avec bienveillance. Et du coup, j'ai commencé à amasser comme ça des témoignages autres que les miens. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'histoires à raconter. Quel est mon avis sur les applis de rencontre et pourquoi parfois ça foire? Bah, en fait, les applis de rencontre, c'est un biais de rencontre, c'est un outil qui, s'il est mal utilisé ou si les personnes ne savent pas à quoi s'attendre en les utilisant, peut faire du mal. Bon, pas trop exagérément, mais par exemple, si on y va naïvement en pensant qu'on va rencontrer le grand amour et que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bah ça peut faire un peu mal parce que beaucoup de personnes utilisent les applications seulement à des fins sexuelles ou alors pour rebooster leur ego, consciemment ou pas. Mais pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, j'ai l'impression que les gens n'y vont pas vraiment pour rencontrer l'amour. Donc si on y va pour ça, on risque de se casser un peu les dents. Et puis il y a aussi le fait que quand on passe par une application de rencontre, contrairement à une rencontre dans la vraie vie, on peut se faire une fausse idée des personnes. On ne sent pas des choses par message qu'on pourrait sentir dans la vraie vie. Donc ça peut donner lieu à de mauvaises surprises en termes de communication, communication physique. Enfin, il y a des choses qui se ressentent en vrai et voilà, et tout ça peut être source de déception. Maintenant, qu'est-ce que je trouve comme intérêt aux applis? D'étendre en fait le cercle des personnes qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec notre profession, qui sont en dehors de notre cercle d'amis, qui sont quand même les principaux lieux de rencontre. On peut rencontrer des personnes d'âges différents aussi, si c'est ce qu'on cherche. Voilà, je trouve que c'est le principal, la principale qualité des applis de rencontre, c'est que ça permet d'étendre un peu les possibilités de rencontre. Donc si c'est bien utilisé, ça peut donner des choses positives. Quelle est mon histoire préférée dans les 18? Je dirais peut-être celle avec l'histoire des sushis. Sans vous spoiler, il y a... Le date tourne court en fait et j'ai trouvé ça assez osé de la part de la personne qui met un terme au date de procéder comme ça. En tout cas, moi j'aurais pas été bien à la place de l'autre personne. Donc voilà, je trouvais que c'était assez remarquable comme date.
foireux. Bah, quelle part de moi il y a dans la BD? Du coup, il y a les dates qui me concernent. Il y en a 3, 4, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours fait attention à changer le nom des personnages et à pas mettre d'éléments qui pourraient trop permettre de les identifier. Je vous montre quand même la bande dessinée finie et non pas le projet que j'ai fait en fin d'études. Ça a quand même pas mal évolué.